c'est d'abord une culture. Quand on est en DevOps, on prend tout le monde. DevOps et Agile font effectivement partie de la même famille. Sa virtualisation applicative, c'est très bien. Aujourd'hui, ça nous prend 10 minutes et un café. Ce n'est ni être dev, ni être ops. C'est avant tout de la communication. Ce mouvement DevOps, c'est tout simplement drivé par la communauté et endorsé par les entreprises. J'ai adopté une démarche DevOps. Le développement agile. On a accéléré le déploiement. Ça amène une clarté sur le travail de... Être dans une démarche d'amélioration continue. On se retrouve face à des... Travailler naturellement ensemble, ça donne des résultats concrets. DevOps. L'objectif individuel, ça s'atteint, alors qu'une ambition, ça se partage. Eh bien, bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette deuxième journée de table ronde au SMRE Summer Camp. Et donc là, on vient donc de passer toute la matinée avec des super conférences. Et là, on est tous ensemble, donc aussi bien speakers que spectateurs, pour parler ensemble. Et alors là, pour entamer la discussion, on a Rim qui nous a proposé un sujet qui va nous présenter. Et puis après, on pourra commencer la discussion. Et puis après, on dérivera soit en revenant sur les conférences, en posant des questions, etc. Merci Ilem. Du coup, le sujet que je voulais proposer, c'est les monorepos versus multirepos sur Terraform. Donc, j'ai un petit peu ma petite idée, j'ai ma pratique que je fais. Je suis plutôt partisane d'avoir un monorepo et puis avoir plusieurs repos pour les modules Terraform. Et je voulais savoir ce que vous mettiez en pratique de vos côtés et le retour d'expérience que vous pouviez faire. Du coup, peut-être tu peux commencer un peu... Dans quel contexte, en fait, tu vas avoir besoin de scinder comme ça pour voir qu'est-ce que tu mets dans ces repos? Est-ce que c'est des composants? Est-ce que c'est des... Donc, pour les différents repos, moi, l'idée, c'est que je crée un module par application. Si j'ai besoin de redéployer une application, moi, je vais lui créer un module dédié. Et si j'ai besoin, par exemple, de déployer, une ressource toute simple, admettons, un record DNS, ben là, je vais le mettre dans un repo centralisé. Ok. Donc, ça veut dire que chaque module, ça va être... Ouais, vraiment, c'est le concept du module réutilisable que tu vas réutiliser d'un projet à un autre. C'est pas dédié à un client, dédié à un machin. C'est vraiment propre à une instance, par exemple. Et c'est puis, ça, propre. Puis, voilà. Ouais, exactement. Et ouais, ça, en interne chez vous, vous avez ce débat-là de savoir mono versus... On n'est pas tous forcément d'accord là-dessus. Ouais. Il y a des personnes qui sont partisanes d'un repo dédié. À chaque fois qu'on crée une nouvelle application, on crée un nouveau repo. Mm-hmm. Et d'autres personnes, c'est un repo centralisé où on déploie tout du monde. Okay. Si jamais je dois donner une expérience, on a eu un peu ce problème-là au HDH, donc au Health Data Hub, où en fait le déploiement est extrêmement compliqué avec beaucoup de composants et en fait surtout on s'est mis à devoir déployer des choses sans savoir à l'avance ce qu'on allait y faire, c'est-à-dire qu'en fait on avait quelque chose de très mouvant, c'est-à-dire qu'en même temps qu'on avançait, on apprenait et on revenait sur ce qu'il y avait avant. Et la chose qui avait été faite au début, c'est oui, tout en module de manière réutilisable le plus possible. Et en fait, on s'était aperçu que c'était vraiment, on avait une vélocité qui était vraiment nulle. Et la première chose qu'on a fait, en fait, c'est qu'on a pris toutes les ressources et on les a mis à plat, mais genre le plus plat possible là-dedans, c'est-à-dire en utilisant aucune abstraction. Et on est parti là-dessus en se disant, grâce à ça, on peut tout modifier rapidement. En fait, ce qu'on faisait, c'est qu'on... En fait, ça n'a jamais été un problème, par l'expérience, on ne le savait pas à l'avance, mais par l'expérience, ça n'a pas été un problème de tout quand on veut de faire des énormes refacto. Parce que on les faisait en pair programming avec du VS Code Live Share dessus. On faisait des contrôles F, des contrôles Shift F de malade où on modifiait la moitié du code en une ressource. Donc en fait, le fait de décentraliser ça n'a jamais été un problème pour évoluer. Et le fait que en plus on avait gagné une meilleure lisibilité dans le sens où on n'avait pas de module magique qui faisait des choses qu'on ne savait pas. Et un problème également, c'est qu'on avait moins d'interdépendance entre les équipes, qui faisait que on n'avait pas besoin de modifier un module pour pouvoir ajouter une fonctionnalité ou quelque chose comme ça. Et donc en fait, on avait décidé d'être le plus flat possible. Et pour nous, ça a bien marché. Alors après, et des fois, on commençait à remerger un peu des choses, mais vraiment de manière très basique, pour pas avoir ces problèmes de couplage en fait très rapides qui font que il y a besoin de synchronisation ou de choses comme ça. Et même de fait que l'innovation devenait plus difficile parce que chaque fois qu'on avait une nouvelle idée, si on le rajoutait dans un module utilisé partout, instantanément notre erreur avait un impact extrêmement fort sur tout le reste. Dans le talk que je viens de présenter tout à l'heure sur l'erreur, en fait, on essayait de limiter la gravité d'une erreur sur un changement et de faire en sorte d'apprendre en limitant. Donc,
on limitait le couplage et en faisant en sorte d'avoir quelque chose de flat. Et puis en plus, on essayait de se dire que Terraform, ça doit être du descriptif et donc pas du tout de l'impératif. On essayait de n'utiliser aucune notion de boucle ou de choses comme ça pour faire en sorte de... En fait, en gros, on avait juste un langage déclaratif, un DSL, pour déclarer notre infra, mais pas pour faire des opérations compliquées. Si jamais on devait faire des opérations compliquées, on les faisait en amont, on devait faire des restructurations, des choses comme ça, mais on essayait d'avoir ce rôle-là. Et voilà. Dans ce cas-là, comment tu gères, en fait, cette petite frustration de réécrire à chaque fois du code, en fait? Bah, moi, je l'ai pas. Okay. J'adore faire du YAML copier-coller. Enfin, genre, le copier-coller, c'est gratuit. Enfin, j'ai pas... En fait, je préfère dupliquer plutôt que associer. Et en effet, oui, c'est peut-être quelque chose qu'on a en France. Maintenant, j'en ai parlé il y a très longtemps de ça, sur le fait que peut-être en France, on a cette volonté de, enfin, on est des serial factoriseurs, quoi, en fait. Et je pense qu'on a peut-être trop appris à un moment à factoriser des équations, et on oublie que quand on a des additions et que on factorise, on a des multiplications, et des multiplications, c'est aussi une gravité qui part à l'échelle, qui part extrêmement vite. Et enfin, moi, j'ai eu un prof de maths une fois dans ma vie qui nous a fait un piège comme ça en nous présentant une identité remarquable au début de l'exercice. Et en fait, instantanément, tout le monde avait factorisé en disant « Ah, oh, j'ai vu l'identité remarquable, ça y est, je peux factoriser, j'ai moins de termes, c'est cool. » Et en fait, après, dans le reste de l'exercice, bah en fait, ça devenait ultra pénible parce que manipuler des multiplications, c'est devenu pénible. Et en fait, ils nous avaient tous traités de... C'est là où on avait développé... Enfin, ils nous avaient traités de chien de Pavlov de la factorisation, où genre, on voit une identité remarquable, ça y est, on a besoin de ça. Alors qu'en fait, avoir des termes simples, décorrélés, c'est des fois mieux et plus simple. Et en effet, c'est peut-être une frustration qu'il faut qu'on... Enfin, voilà. Moi, je me souviens de ce prof de maths, merci Monsieur Bush, en première. Voilà, je ressors assez souvent ça. Je suis d'accord avec ce que tu dis, que faire attention à la factorisation prématurée. Mais cela dit... Parfois, d'un point de vue, pour moi, c'est important que notre code soit aligné avec le modèle mental qu'on a de notre infra. Et parfois, en fait, je pense pas que j'ai un node pool, puis un autre, puis un autre. Tu vois. Je pense que j'ai trois node pools. Tu vois. Et du coup, j'aime bien pouvoir écrire dans mon code, j'ai trois node pools. Et du coup, dans ce genre de situation, je trouve que c'est quand même pratique de faire une boucle ou équivalent. Tu vois. Un petit for each, rien de grand chose. Ou alors. D'utiliser un module, tu vois, qui crée un pool et juste je l'appelle certes trois fois, tu vois. Mais du coup factoriser un peu, ça aide vachement. Mais un gros intérêt des modules, nous, qu'on voit surtout sur des grosses organisations, c'est le fait que des équipes peuvent fournir un catalogue de modules à utiliser par d'autres équipes en implémentant des standards de sécurité, de paramétrage, etc. Ça permet aux autres équipes, en fait, de se dire ok, j'ai besoin d'un bucket, mais j'ai pas besoin d'aller lire la doc de la boîte sur toutes les bonnes pratiques de paramétrage des buckets, quoi. Et j'ai un module où je lui passe juste un name et j'ai fini. Et c'est le genre de truc où ce genre de pratique, en fait, ce genre de factorisation, en fait, t'arrives justement de cacher de la complexité que parfois on a envie de cacher, ou tout simplement de la complexité qu'on n'a pas dans notre tête, et du coup c'est dommage de l'avoir dans notre code. Et ça, t'as déjà vu quelque chose qui marche comme ça? Parce que moi, à chaque fois qu'on a vu ça, au bout de 2 ans, ça devient un enfer pas possible parce que personne maintient ce genre de choses-là. Ou alors il y a des changements faits par l'équipe cœur justement dessus qui cassent tout le reste des applicatifs parce qu'ils ont décidé que non, la sécurité maintenant elle va activer tel paramètre, sauf qu'en fait c'était pas dans le contrat initial, ça pète tout le reste, etc., etc. Enfin, moi justement, je suis contre ça. Genre, je veux bien avoir un repo, enfin avoir des modules comme ça, mais genre ils doivent être copiés et pas maintenus. Et tu vois, genre, moi justement, je suis mais à 100% contre ça. À la limite, ce que je veux, par contre, c'est une équipe de sécurité qui maudite mes buckets. Et nous, c'était comme ça, en fait, qu'on faisait plutôt, que j'essayais de pousser chez Thales et OHDH, c'est d'avoir quelque chose où, ok, je peux te dire, voilà le modèle de ce qu'il faut. Par contre, tu utilises pas, c'est pas mon problème. Et d'ailleurs, tu vas pouvoir, la standardisation, j'ai beaucoup de mal avec ça dans l'informatique quand on sait qu'on est dans un milieu qui bouge à une vitesse pas possible. C'est qu'aujourd'hui, j'utilise Terraform. Demain, une équipe va vouloir mettre du Pulumi. Demain, une autre équipe va vouloir mettre du Crossplane. Mais en fait, au final, elles manipuleront la même ressource. Donc, ce que je veux, c'est que l'équipe de sécurité, par contre, elle audite les buckets. Et qu'elle audite qu'il y a bien les options de sécurité qui vont bien dedans. Et que si c'est pas le cas, elle m'envoie des alertes. Enfin, si ça n'est pas le cas, elle m'envoie des alertes et qu'on discute ensemble. Mais tu vois, genre, se baser sur le code comme étant une source de vérité absolue et Terraform comme une source de vérité absolue dans un contexte où, justement, aujourd'hui, le nombre d'outils explose, me paraît personnellement, en fait, on va revenir à un cas où, non, dans la boîte, c'est que du Java, hein, et c'est que Java à telle version, et c'est que du Tomcat, parce qu'on ne sait que faire du Tomcat avec telles options de sécurité, etc. J'ai peur qu'en fait, le DevOps retombe dans les mêmes travers qu'on avait avant, qui était, en fait, on a eu une explosion de nouveaux outils qui nous ont permis de faire plein de choses, et qu'en fait, aujourd'hui, on essaye de re-restreindre à un point. Voilà, c'est moi, c'est... Il y a un équilibre à trouver, je pense, du coup, c'est pas tout blanc ou tout noir, ça dépend des situations. Il y a des cas où typiquement les modules, moi j'aime bien utiliser parce que je suis dans des situations où on a plusieurs clients, on a plusieurs fois on refait la même chose, donc c'est plus simple de faire un module et de se dire bah tiens là on a changé
Bah, imaginons, je sais pas, OVH a changé une option et maintenant faut activer quelque chose pour avoir de la sécurité en plus. On l'active par défaut à un endroit et après on peut le mettre à jour directement chez les autres. Donc il y a quand même des avantages à faire ça. Après, pour l'histoire des breaking change, bah, ce qui est bien, c'est qu'on peut quand même taguer des modules sur Git, du coup, pour éviter quand même de tout péter. Mais sur le côté sécurité, je suis d'accord, faut auditer au niveau de l'API et c'est des autres outils. Il y a d'ailleurs des outils qui font de l'audit en continu avec des règles. Je sais plus comment ça s'appelle, mais il y a un outil qui fait ça notamment sur AWS, où ça fait de l'audit en continu en parsant les ressources. Mais c'est encore une autre question. Mais pour le découpage, en tout cas, il faut quand même un minimum, on va dire, de propreté. Et il faut pas se fermer, même s'il faut éviter de surdécouper. Comme je disais, c'est un équilibre à trouver pour la maintenance. Pour ce qui est après de la question des outils, bah c'est pareil. Il faut pas se fermer à des outils, mais il faut quand même à un moment être raisonnable entre guillemets, avoir une liste d'outils qui est à peu près cohérente. Faut pas partir dans l'idée de on change d'outils tous les jours ou toutes les équipes ont des outils différents, elles se retrouvent à réinventer la roue. Si demain ils ont besoin d'aide sur quelque chose, bah, personne comprend rien. Moi typiquement Pulumi, j'aime pas trop parce que c'est trop ouvert pour moi au niveau des langages. Et ça fait que, imaginons, dans une boîte, bah, je sais pas, il y a quelqu'un qui préfère Go, l'autre qui préfère Python, l'autre qui préfère encore un autre langage. On se retrouve avec trois personnes qui vont utiliser un outil avec des langages potentiellement différents pour des autres trucs. Et si jamais il y a besoin bah, d'intervenir sur le code de quelqu'un d'autre, c'est tout de suite un peu plus compliqué, ça met de la frustration. Pour moi, il y a une limite qu'il faut se mettre quand même. Je peux expliquer comment je fais dans ma boîte. On est des très très gros utilisateurs de Terraform, avec une infra assez conséquente. On utilise les modules. Pas mal et on aime bien ça et c'est des modules pas trop compliqués, c'est-à-dire ils sont souvent assez simples, par exemple un control plane cube, un node pool cube, une base RDS, etc. Donc c'est assez carré et bah c'est utilisé ensuite par d'autres projets et comme ça a été dit, ce qui est intéressant c'est qu'ensuite ces modules sont utilisés par des gens qui n'ont pas forcément l'expertise sur Terraform, etc. Donc notamment les devs, ils veulent créer une base de données, ils ont le module RDS, ils passent le nom, etc. Et boum, il y a tous les défauts qui sont là, l'utilisateur est nommé d'une certaine façon, etc., etc. Et bon, je parlais hier dans mon talk d'expertise à ce service, et ben c'est ça finalement, des gens fournissent des modules de qualité qui sont prêts à être utilisables par des gens qui l'ont pas forcément, et comme ça on itère très vite. Et donc voilà, on utilise les modules, et juste tu parlais aussi de monorepo, je pense. Bah nous ce qu'on fait, c'est qu'on a les modules, on a ensuite on a beaucoup de dépôts Terraform, là beaucoup avec des planes, qu'on appelle plateforme. Donc là, ça va plus être le corps de nos environnements, donc le réseau, des choses comme ça. Et ensuite, on a des stacks. Et là, ça va être, par exemple, le log, EKS, je sais pas, peut-être RDS, je sais pas. Donc des stacks vraiment par catégorie de produits. Et on utilise beaucoup les remote states pour, on va dire, faire le lien entre tout ça. Donc par exemple, notre plateforme réseau va peut-être utiliser un module, très bien. Elle va exposer un output, par exemple, un VPC, qui va être utilisé par la stack EKS, qui va dire bah moi je veux créer, qui va utiliser un module par exemple notre pool, et là on va référencer le VPC de via un remote state, le VPC de la plateforme dans laquelle on déploie, et c'est comme ça qu'on fait. Donc nous on fait pas du monorepo, on fait vraiment du beaucoup multi repo. Alors on a beaucoup parlé de modules là, mais sur la partie repo, nous on a beaucoup de repo, et ça a beaucoup d'avantages. Notamment en Terraform, c'est les plans qui sont très très rapides. Parce que le monorepo dans Terraform, moi je l'ai connu dans le passé, et un plan qui dure une demi-heure, bah en fait c'est un peu problématique aussi. Bah pour revenir là-dessus, ce qu'on fait chez Paddock, du coup, oui, nos modules ils sont sur des repos, et je pense que, enfin on a commencé à l'évoquer, mais l'avantage d'avoir tes modules dans des repos séparés, c'est pour le versionning, et du coup quand tu vas passer des modifs d'un envoi à un autre, bah t'as une certaine forme de cohérence, c'est quand même assez pratique. Après pour le côté monorepo versus multirepo, je pense qu'on n'est pas à la taille de Conto, donc on n'est peut-être pas arrivé à ce truc-là, mais nous ce qu'on commence sur les grosses orgs qu'on commence à utiliser, c'est plutôt du coup TerraGrunt, qui te permet justement en fait au niveau de tes applis séparer les states pour éviter justement comme tu dis les plans de 30 minutes et quelques. Et après en fait c'est effectivement comment tu vas séparer en fait tes ce que vous faites en fait entre vos repos, c'est en fait qu'est-ce que tu décides de mettre dans un repo ou dans un autre. Bah c'est un peu la même chose après en TerraGrunt, c'est du coup qu'est-ce que tu décides de mettre dans une layer ou dans une autre. Et ce qu'on fait en ce moment, c'est que nous on essaye beaucoup de s'inspirer de tout ce qui est domain driven development,
Ça a été testé sur un premier projet là, et c'est ce qu'on essaye de pousser après en interne chez Paddock, c'est vraiment de séparer les blocs qui ont besoin d'être cohérents entre eux et les blocs qui n'ont pas vraiment besoin d'avoir de notion de faut que ça arrive avant ça ou ça arrive après ça. Donc on a souvent effectivement ce bloc un peu core où on est obligé de poser le réseau, plein de trucs machin et tout, et après par exemple sur une équipe qui va avoir dans une boîte qui va avoir cette équipe, tu vas avoir la layer data où effectivement les data eng, s'ils ont besoin d'un memory store sur GCP, hop, ils appellent le module memory store avec leur nouveau nom, et en fait chacun fait son apply de son domaine quand il en a besoin, quoi. Okay. Pour rebondir sur ce que tu disais sur les breaking change, pour moi genre à ce moment où une équipe a ce rôle d'enabler et fournit des modules Terraform, déjà je suis d'accord avec toi, c'est pas DevOps si cette équipe tout d'un coup elle pose son point sur la table et elle dit c'est Terraform ou rien, et c'est nos modules ou rien, tu vois. Genre ça, non, mais je connais aucune organisation. Stage zéro du DevOps, ouais, quoi. Mais du coup, tu peux quand même. On peut pas le promouvoir comme étant une solution d'avenir, quoi. Ça, je suis d'accord. Mais je suis d'accord que c'est pas bon. Mais cela dit, tu peux quand même être en stage 1 ou 2 ou 3 sans, tout en maintenant des bibliothèques partagées, tu vois. Et en fait, c'est ça, un module Terraform pour une équipe. Genre moi, je suis pas en train de prétendre que le module RDS que j'ai écrit, il est parfait, il répond à tous les besoins. Non, il répondait à mon besoin à la base. Je me suis fait challenger par un SecOps qui m'a dit vaut mieux activer tel paramètre, moi j'ai itéré dessus, peut-être que j'ai rajouté des paramètres, etc. Je l'ai fait évoluer au fur et à mesure de mes besoins. Et s'il y a une autre équipe qui peut profiter du travail que j'ai fait pour gagner du temps, banco. Si eux ils ont un besoin tellement spécifique qu'en fait ils ont besoin d'écrire un autre module, pas de problème. Je veux dire, moi j'ai pas d'objection à ça. Et d'ailleurs, on a chez Paddock du coup un gros catalogue de modules Terraform, et ce qu'on constate, c'est qu'il y a un peu une sorte de sélection naturelle qui est en train de se faire, où en fait il y a quelqu'un qui a écrit un module pour gérer l'IAM sur GCP, et il y a des gens qui s'en sont servis, ont trouvé ça super painful, ont du coup pas utilisé ce module là sur leur projet, ont juste commencé à gérer l'IAM avec leur propre code Terraform, et derrière en fait ils ont proposé un nouveau modèle, tu vois. Et là, en fait, on est en train de voir, ok, quels sont les avantages, les inconvénients de chacun, et on est en train d'essayer d'en sortir un troisième, du coup. Oui. Je pense que, et ça rejoint un peu la discussion qu'on avait hier et tout, mais l'avantage d'avoir un catalogue de modules et tout, c'est de aussi promouvoir l'inner source, en fait, dont on parle pas, mais en fait, c'est ça, avoir eu des équipes qui proposent, en fait, tu proposes ton module RDS, puis en fait, dans ta boîte, si quelqu'un a besoin de RDS et qu'il a besoin de changer des paramètres, etc., à lui en fait d'ouvrir une PR, et effectivement ça sera peut-être Arthur le maintainer à de dire ok, ça effectivement c'est une feature qui est logique dans mon module, ou ça non, en fait tu veux faire un usage complètement différent de RDS, alors je vois pas trop dans quelle mesure, mais pourquoi pas, donc faire un autre module dédié pour ce truc là, tu vois. Et en fait il faut laisser la liberté, mais il faut pas se dire en fait toujours reprendre from scratch les trucs, parce que en fait le module RDS qui a 2 ans de ta boîte, 2 ans d'expérience, qui est en version 2.18 où il y a 350 commits dessus, en fait t'as quand même de l'expérience dedans sur lequel t'as peut-être envie de capitaliser le jour où t'as envie de repop une RDS, tu vois. C'est marrant, moi je me dirais que c'est du legacy et que j'ai envie justement un module comme ça dans un cloud qui bouge beaucoup, je me dirais pardon. Mais vas-y, tu voulais. Non, oui, sur le, pour revenir à la question initiale sur multi-repo versus mono-repo, si vous commencez à avoir les modules de chacun dans un repo, comment vous faites, quand tu parlais de catalogue de modules, comment vous faites, du coup, pour cartographier un petit peu tous les modules que vous avez, s'ils sont pas au même endroit, est-ce que vous avez un outil au-dessus, comment vous faites aussi pour l'aspect documentation? Avec Terraform, tu peux générer une documentation automatique. Si chacun est dans son module, en fait, t'arrives pas à avoir ta page avec tous tes modules. Donc, comment tu adresses ce point? Alors justement, c'est un problème qu'on a commencé à adresser il y a 2 mois, 3 mois, un truc comme ça. Tous nos modules Terraform, ils sont sur notre org GitHub. Donc pour le coup, il y en a pas mal qui sont publics, c'est ceux qui sont prêts à être utilisés. Il y en a quelques-uns qui sont en cours de développement, qui restent privés. Ils sont publics purement pour qu'on s'en serve sur les projets. Ouais. C'est pas du tout... on n'est pas du tout là en train de dire « servez-vous-en ». Mon conseil, c'est les utilisez pas. On fait des breaking changes régulièrement. Et surtout parfois, on va créer une V2, on va plus du tout maintenir la V1. Enfin, voilà. Ce qu'on a mis par dessus, c'est Backstage, du coup, qui est un outil de une sorte de portail pour les devs qui a été créé chez Spotify. Backstage, lui, il se connecte à notre org GitHub, il trouve tous les repos qui ont un tag Terraform. Et en fait, il propose un catalogue où, enfin, vraiment, c'est un portail où en fait, t'as tous tes trucs, tu peux chercher, t'as une barre de recherche, tu peux lire la doc,
Et en fait, voilà. Et on utilise aussi Terraform Docs, etc., pour définir, enfin, générer la spec. Mm-hmm. Mais du coup, en plus de ça, on ajoute des exemples, etc. Et on est en train de travailler sur le fait d'ajouter des tests, parce que, bah, en effet, parfois, c'est, enfin, parce que d'une part, c'est bien de formaliser, en fait, la promesse du module, genre exactement qu'est-ce qu'il promet, et quels sont, du coup, tous les paramètres qu'on s'autorise à changer à partir du moment où ça casse pas les tests. Et, typiquement, je sais pas, on parle d'un bucket, ben peut-être qu'en fait ok le versionning il est activé par défaut, mais est-ce que ça fait vraiment partie du contrat du module, est-ce que vraiment on parle d'un module ou fait un bucket versionné ou pas, et en fait ça il faut que ce soit formalisé dans un test, et ça c'est ça va être le prochain chantier une fois qu'on a fini le chantier en cours. Et Rim, peut-être la question que tu posais à la base, enfin, est-ce que tu peux, t'as dit qu'il y avait des conflits, enfin que vous étiez pas sûr en interne qu'il y avait des pros et des contres de chaque côté. Si jamais tu devais un peu résumer, genre les arguments de chacun des côtés ou genre les volontés de chacun, même quitte à faire un peu d'homme de paille, c'est pas grave, mais genre pourquoi cette question et pourquoi, parce que là on a l'air à peu près d'avoir des avis convergents, en tout cas dans ceux qui en font beaucoup. Enfin, vous, c'est quoi les, enfin, pourquoi la question et qu'est-ce qui a motivé ça dans les argumentaires des deux, si tu devais résumer? Bah, il y a le fait de maintenir justement, comme tu disais, les différents repos et aussi le fait de se dire, bah, comme tu disais, l'impact que ça peut avoir d'appeler plusieurs modules et de réutiliser ces différents modules. Et il y a aussi, bah, comme tu disais, pareil, le fait d'introduire un breaking change. Même si pour moi, je le vois pas comme ça, parce que tu peux réaliser tes modules et tu tags tes modules sur une certaine version. Et l'autre sujet qui nous a poussé à la réflexion, c'est notre modèle de déploiement et aussi comment on pouvait s'aligner avec du GitOps. Mmh. C'est vraiment ça. Après, tu vois, pour les breaking change, moi, je suis arrivé dans des boîtes déjà où, ce qui s'est passé, c'est que oui, au début, ils faisaient du versionning, et en fait, par exemple, il y a une feature que tu veux récupérer, mais sauf que entre temps, t'as eu 14 breaking change, où oui, il y a certains projets qui les ont pris en compte, certains modèles qui l'ont fait, sauf que toi, tu veux juste une partie du dernier changement. Et en fait, en vrai, dans les boîtes, c'est ok, on dit qu'il y a un breaking change, ok, on met une V2 qui fait que donc dans le modèle SEMVER, il y a un breaking change, on le dit. Parce qu'en fait, on maintient jamais ce qu'il y avait avant. Et donc, en gros, on se retrouve à avoir quelque chose où, en fait, c'est tout le temps une course à l'échelle. Je connais rarement dans une boîte en interne où, en fait, il y a un maintien de plusieurs branches mineures et de plusieurs branches master en même temps, etc. Donc, en fait, en vrai, c'est une course en avant. Oui, on dit qu'il y a un breaking change. Oui, on peut faire attention à ça. Donc, en fait, le SEMVER, c'est plus un module d'information, plus qu'un module vraiment de, enfin, une façon d'informer, plus qu'une façon de vraiment réaliser. Enfin, ça serait possible, mais je l'ai vu rarement. Et en plus après il y a le coût de communication entre les équipes, en fait, c'est-à-dire que là ça marche s'il y a une équipe dédiée, une équipe centralisée qui fait ces choix-là, mais dès qu'on commence à avoir des SRE dans plusieurs équipes, dès qu'on commence à avoir une équipe qui est à l'étranger, dès qu'on commence à avoir des choses comme ça, dès qu'on commence à avoir même des entreprises qu'on achète et qui ont leurs propres pratiques, qui ont leurs propres modules Terraform, etc. Et moi, j'ai déjà vu des boîtes qui, en fait, se sont pris la tête, parce que quand on fait ces modules Terraform, c'est ce que j'ai vu même dans les playbooks Ansible, dans les cookbook chef, c'est quelque chose qui est revenu, répété, etc. En fait, c'est une erreur des ops qui est répétée dans l'histoire des ops. C'est qu'en fait, chaque boîte devient autonome par rapport aux autres. Vos modules, ils gèrent l'IAM Google, mais en fait, tout le monde fait de l'IAM Google, de ceux qui font de l'IAM Google, faire un node pool, faire un control plane, en fait, tous ceux qui font du Kubernetes, ils font ça. Et en fait, tout le monde s'invente son petit monde, s'invente ses petits standards, s'invente ces choses qui font que quand quelqu'un de nouveau arrive, eh ben, il peut plus comprendre, parce qu'en fait, il y a un module qui est différent, avec une autre philosophie, alors que lui, il avait avant un module qui marchait très bien, mais avec peut-être une philosophie différente, etc. Et en fait, ça fait en sorte que chaque ops, je sais pas pourquoi, a toujours envie de s'autonomiser par rapport au reste du monde. Et en fait, s'autonomiser par rapport à un provider qui est peut-être un peu trop générique, mais qui marche très bien, que tout le monde connaît, mais non, moi, je vais créer mon module qui, par contre, là, est dans ma boîte, et uniquement dans ma boîte, qui fait que comme ça, quand il y a un nouveau qui arrive, eh ben, il va ramer pour comprendre le module, il pourra pas réutiliser son code d'avant, il pourra pas copier-coller tout ce qu'il avait. C'est juste qu'en fait, un module Terraform, c'est exactement comme une lib de code. Si ton interface elle est pas claire et que t'es pas capable de comprendre ce que fait le truc avec le nom et les arguments que ça te propose, c'est que ton module il est. Mais t'as déjà une lib, ça s'appelle le provider, qui lui est standard, utilisé par toutes les boîtes. Mais ça, c'est comme dire que tu vas jamais utiliser une lib externe et que tu vas utiliser la lib. Mais si j'utilise le provider là-dedans, mais, non, mais c'est comme dire je fais du Go et je vais faire et la lib standard, je vais jamais utiliser une lib externe. Bah mais cette lib externe elle est réutilisable, genre elle est publiée, etc. Ah, mais par contre j'essaie de pas avoir de lib interne uniquement pour mon propos qui va aller moquer, enfin qui va aller abstraire d'autres libs qui existent déjà. Genre en fait c'est ça que. Est-ce qu'au final la solution ce serait pas
d'essayer de réutiliser au maximum les modules proposés par les providers eux-mêmes, comme AWS qui en propose plusieurs. Nous, on essaye de le faire, mais parfois, enfin, il y a des modules qui sont complexes. Alors, en fait, pour moi, les modules Terraform de la communauté, ils ont exactement le même problème que les M-Sharp de la communauté. C'est qu'en fait, comme ils veulent répondre à tous les use cases du monde, bah, c'est juste, en fait, des gros passe-plats sur les ressources. Ouais. Finalement. Mais en général, il n'y a pas d'abstraction, en fait. Et ce qui gêne aussi, c'est que c'est tellement complexe pour répondre à tout le monde, qu'au final, quand t'as besoin de faire un changement ou un debug, tu perds tellement de temps en complexité que, traditionnellement, historiquement, bah, je prends un exemple avec Ansible où ça marche avec tous les systèmes un peu de gestion d'infrastructure. C'est qu'il y a eu la grande histoire de tout le monde a commencé à mettre en public plein de trucs. Sauf qu'il fallait gérer les OS de tout le monde, il fallait gérer les passes de tout le monde. Et au final, ça devenait des modules publics tellement complexes que quand tu devais débugger en interne ou quand tu devais faire une évolution pour la communauté, tu fais putain, mais nous on est que sur du Debian. Faut que je prévoie Red Hat, faut que je prévoie machin et tout ça. Que bah, la plupart du temps, en fait, les gens ont fini par forquer et se dire bah c'est plus simple comme ça. Je maintiens en interne juste mes conditions. Et ça fonctionne très bien. Et là, c'est un peu le cas. Mais là, t'as le problème, toi, ce que je disais hier, c'est qu'en gros, là, tu vois, dans le facto que j'ai fait, c'est qu'en fait, là, t'as créé une convention que ma boîte, elle tournait sur Debian. Ou elle tournait sur CentOS. Et on a eu ce problème-là, c'est que le jour où quelqu'un arrivait en disant, non, mais là, vraiment, on a un problème. Et ben, en fait, le coût de changement était devenu gigantesque, parce que justement, tous les modules, tous nos cookbook chefs étaient tellement spécialisés pour un OS, qu'en fait, le coût de changement pour passer à un autre truc était devenu démentiel. Oui, mais je... Et en fait, tu vois, c'est ça aussi le problème, c'est qu'en fait, là, t'as fait un couplage sans le savoir, qui est un couplage par définition que dans ma boîte, ad vitam aeternam, et ça encore, c'est une réflexion, donc en système nominal, ad vitam aeternam, j'aurais toujours un seul OS. T'as toujours une dépendance au choix technologique que tu fais. Aujourd'hui, on utilise tous Cube. Ouais, le jour où on va plus devoir déployer sur Cube, mais sur la prochaine techno, ouais, il va y avoir un petit coup de sortie en réalité. Bah, je veux dire. Pas tant que ça, parce qu'en fait, on est ultra déclaratif. Bah, moi, justement, j'utilise pas du Helm, parce que justement, j'en veux pas. Ouais, mais tout est manifeste Cube. Enfin, pareil, pour tout est. Mais oui, bien sûr, je vais devoir les réécrire, mais parce que justement, ils sont ultra déclaratifs. C'est-à-dire que migrer de l'un à l'autre, j'ai pas de conditionnel. C'est du pur déclaratif. C'est-à-dire, prendre une image, la même foutre dans le nouveau. Mais si, parce que ton module, il est. Mais là, ton Cube, il se base sur le fait que tu utilises des conteneurs. Dans 10 ans, ça se trouve, on n'utilisera plus de conteneurs, il faudra tout refaire. C'est le même coup que de passer sur trucs installés en service Unix sur une VM Debian à passer dans. Mais non, c'est ce que j'expliquais justement. Gérer le legacy pour pouvoir imaginer le futur, c'est qu'il faut être purement déclaratif. Basé sur des conventions, ça fait en sorte que le legacy devient compliqué. C'est exactement ça que j'essayais de montrer là-dedans. C'est que vraiment, du moment que tu restes purement déclaratif, tu sais que ton avenir, il est à peu près bien tracé. Ah, mais je suis d'accord qu'il faut rester sur du déclaratif. Bah, mais le module, il perd cette déclarativité-là parce que t'as créé quelque chose à toi, une convention interne. Non, t'as juste créé une abstraction plus haut niveau. Par exemple, prenons l'exemple de GKE, tu vois. D'accord? Ouais. Tu veux créer un cluster GKE. Aujourd'hui, d'accord, tu vas devoir utiliser une ressource Google Container Cluster qui va te popper ton control plane avec un node pool par défaut. D'accord? En pratique, on a envie de virer ce node pool par défaut, donc il y a un paramètre à l'intérieur juste qu'on passe à false. Et derrière, on va avoir une ressource Google Container Node Pool par Node Pool qu'on veut, tu vois. D'accord ? Et il y a des projets où, je sais pas, t'as besoin de 4, 5, ça dépend ce que tu fais, tu vois. Et en fait, tu te dis, bah, est-ce que je peux... Enfin, en fait, tu peux, t'es pas obligé, tu vois. D'accord ? Mais tu peux encapsuler tout ça. D'accord ? Sachant que dans le Container Cluster et les Node Pool, etc., t'as des paramètres que tu changes jamais, tu vois, genre le choix de CNI, etc. Juste, tu te dis, bah ouais, je fais Cilium, quoi, pour moi. Et en fait, ce genre de truc, tu l'encapsules dans un module où tu dis... Donne-moi le nom de ton cluster et juste dis-moi ouais combien tu veux de node pool, la taille de machine pour chaque node pool et le nombre de nœuds que tu veux, tu vois. Et en fait tu te retrouves avec juste t'es passé de 100 lignes de code Terraform à 15. Et en fait ça l'intérêt c'est la charge mentale quand tu lis ton code parce que quand tu revois ton archi, d'accord, tu penses pas à ah oui j'ai un control plane des node pool tu dis j'ai un cluster. Mais c'est faux, non justement moi je veux exactement avoir les paramètres parce que justement tiens tu donnes l'exemple là-dedans. Non mais tu les as quand même, on a pas besoin tu n'es pas obligé de les voir. C'est comme utiliser une fonction dans ton code. Ouais, c'est-à-dire, tu vas pas popper un serveur web en faisant juste, enfin, tu vas utiliser des fonctions que tu vas appeler à un moment donné dans un main. C'est le même principe. Là, faut juste voir ça comme une fonction pour dire, j'ai une fonction magique qui, enfin. Justement, c'est pas une fonction, mais justement, c'est pour ça que j'arrête pas de dire, ce n'est pas de l'infra-as code, ce n'est pas une fonction, c'est une déclaration. Donc, là, par exemple, t'as Cilium, demain, GKE, ils vont avoir un nouveau système, parce que forcément, il y en aura un autre. Si tu changes ce paramètre-là là-dedans, que ton plan y change, que les gens ont pas fait attention, que genre ton CNI change et qu'il se met à recréer le cluster en entier. Mais si tu fais un breaking change dans ta lib, bah, signale-le, quoi. Non, mais signale-le, oui, mais c'est...
Tu fais un autre module. Mais donc, t'as rien gagné. Je vais donner un exemple à Conto sur les banners VS. Je suis désolé, mais la maîtrise, c'est, enfin, l'objectif, c'est de maîtriser la complexité de notre code base. Genre, nous, on s'est déjà retrouvé avec des code base Terraform où il y a littéralement 2000 ressources dedans. Genre, d'énormes infra. D'accord? Bah, je peux te dire que j'ai pas envie d'avoir un main.tf, d'accord, de 40 000 lignes. En fait, et du coup, tu commences à découper ton infra parce qu'en fait, tu peux pas tout avoir en tête à un instant T. Et tu commences à dire, ok, alors comment j'y réfléchis? Bon, bah déjà, il y a une partie base de données, il y a une partie web, il y a une partie data pipelines. Cool, trois modules d'emblée. Et après, je prends chacun des modules et je commence à redécouper, d'accord, et me dire, ok, comment est-ce que j'y réfléchis, etc. Faut pas aller trop loin parce que, genre, en effet, j'ai pas envie d'avoir à naviguer dans 14 fichiers quand j'ai besoin de comprendre un truc. Mais l'objectif, c'est de maîtriser la complexité de notre code. Non, mais là, surtout, c'est le partage, en fait, c'est le partage de ce genre de ressources-là, qui sont en fait, enfin, vraiment, on est dans un autre cycle que des librairies, la plupart du temps, quand on parle de l'infra. Typiquement, quand je spawn un cluster, j'ai pas envie de le modifier a posteriori, c'est du fire and forget. Ça dépend du projet. Quand la plupart du temps, sachant que les modifications faites par du code comme ça, je ne maîtrise pas leurs impacts. Ça veut dire, je ne sais pas s'il va recréer entièrement la ressource, je ne sais pas s'il va se passer comme ça. Le provider, je ne sais pas lui ce qu'il va me faire. Tu vois, genre, il va te dire, oui, bah, je vais appeler tel API dans mon provider, mais en vrai, ce que va faire après le provider, est-ce qu'il va me faire couper l'API, est-ce qu'il va me faire couper ceci, etc., etc. J'en ai aucune idée. Bah ça, c'est pour connaître ton cloud provider. Oui, mais voilà. Mais en fait, si jamais ce module-là, il a fait, j'ai besoin en fait la plupart du temps quand je fais une infra d'avoir quelque chose, c'est du fire and forget. Je déclare ce que je veux. Fini. Genre, finito. Je veux en fait avoir quelque chose qui soit reproductible dans le temps. Je reply de telle façon, je veux exactement avoir le même résultat. Mais rien n'empêche de faire de l'infrastructure immutable, tu vois, comme tu dis, et du Terraform. Genre, rien t'empêche de dire, ok, bah, j'ai besoin de modifier mon cluster cube, bon, en fait, j'en peux pas doser à côté, et je me retrouve. Mais là, dès qu'on commence à avoir des modules, en fait, on rajoute et des modules partagés entre des équipes. Moi, je suis. Mais ils les partagent pas entre les équipes. Nous, on a choisi de faire ça, mais après, nous, on partage une équipe de 40 experts. Parce qu'on est, ouais, et que, il s'avère que, et en fait, on a plein de débats encore en interne sur tel module, est-ce qu'il faut le faire comme ça et tout. Mais en fait, en réalité, moi, je pense qu'il y a un truc qu'on oublie, c'est qu'en fait, du code, tu passes plus de temps à le lire qu'à l'écrire. Donc en fait, moi, ma question, c'est quand je veux comprendre un truc sur, quand je vais arriver sur une infra, quand je veux changer un truc, quand je veux comprendre un bug, quand je veux comprendre le fonctionnement d'un truc, je veux pas, genre, galérer à lire avec, genre, effectivement, comme dit Arthur, hein, des 40 000 lignes de fichiers de ressources à plat. Ouais, je veux lire, cluster cube. Ok, bon, bah, je sais que le problème vient pas du cluster cube. Je passe à autre chose. Module RDS. Ah bah oui, mon problème, il est sur la DB. Ok, le module, il est là. Bah, je vais voir dans le code. T'as baissé ta détectabilité. C'est-à-dire que, en fait, le but d'avoir des choses à plat et surtout dans l'infrastructure, c'est justement pouvoir détecter les pannes plus vite parce que, toute l'information est lisible au premier coup d'heure, et en fait, on n'est pas dans du... Quand t'as 40 000 lignes de fichiers Terraform à pas, je suis pas sûr. Non, mais t'as un gros problème. Non, mais attends, votre cerveau, il est capable d'interpréter ce genre de choses-là. Enfin, si votre cerveau est limité en passant de 5 lignes à 15, je pense que le problème, il est pas dans le code. Enfin, okay, imaginons, t'as un problème de permission, tu vois. D'accord? T'as de l'IAM. Genre, tu peux te retrouver dans des infras comme ça. D'accord? T'as 40 microservices, ils ont tous un compte de service, ils ont tous des role binding, etc. Genre, je peux pas juste CTRL-F role binding. En fait. Bah, je te promets que nous, c'est ce qu'on faisait, et on avait. Et nous, pour le coup, on avait un truc qui a pu être audité par l'ANSI, et donc justement, ils nous ont dit que c'était cool, parce que justement, tout était à plat, et que c'était beaucoup plus simple à lire. Et qu'il n'y avait pas des choses où, en fait, dès qu'on commence à avoir des appels de modules, etc., il peut y avoir des effets de bord non prévisibles, en tout cas au premier abord, qui sont extrêmement mauvais. Donc nous, on avait des patterns, on avait des choses comme ça, mais, franchement, des refactos de code avec du sel, avec des choses comme ça, ça fait en plus que, quand tu fais une PR, instantanément, tu vois les changements. Ouais. C'est-à-dire, tu sais exactement à quel endroit elle est. Alors, quand tu changes un module, putain, le gars qui review la PR d'un module, réussir à comprendre ce que ça change exactement en tout le reste des gens qui l'appellent, franchement, génie. Bravo le gars, quoi. Bravo le gars. C'est pareil que quand tu modifies une lib. En fait, pour moi, c'est pareil. Mais exactement. Et c'est exactement ça, sauf qu'en fait, on a des cycles de vie et des boulots. Enfin, on a un travail qui est assez différent là-dedans. C'est qu'en fait, on déclare des choses qui ne doivent pas forcément bouger. Mon applicatif, je peux la tester facilement avant de la déployer. Oui, mais il y a quand même une valeur. Ton Terraform, moi, je connais personne qui teste son module en déployant entièrement son infra quand il change un bout d'un module. Justement, c'est notre prochain chantier. Mais juste un truc sur la standardisation. Nous, on veut de la standardisation. Une base RDS à Conto, c'est tel rôle, tel nom, telle configuration de chiffrement et tout, c'est pas la foire à la saucisse. Un dev, il utilise le module, en fait. Et ça, je sais, peut-être une popular opinion, mais en fait, ça va être comme ça. Il y a pas de, surtout dans le domaine bancaire, ça peut être, ouais, bah, moi, j'enlève le chiffrement, et puis hop, je me crée un rôle custom, route, machin. Non, en fait, c'est pas comme ça. Et en fait, c'est ça qui est bien avec le module. Et comme on disait, bootstrap un microservice, il y a la doc, il y a une doc qu'on construit. Tu veux une base de données, tu mets module RDS,
nom de la base, bam, t'as tout ce qu'il faut. Mais là, et mais personne là, s'est jamais plaint. Mais là, t'as fait un homme de paille. C'est que moi, je t'ai jamais dit que ça devait être la foire à la saucisse, puisque nous, je t'ai dit, j'ai bossé dans un domaine. Tu veux toi plat. Mais bien sûr, toi plat et toutes les équipes qui font n'importe quoi. Non, mais attends, nous, moi, j'étais dans un domaine de la sécurité des données santé, qui sont presque même encore plus critiques que de la sécurité bancaire. Donc ce que t'es en train de dire, c'est que tu vas laisser le dev prendre ton corps de Terraform à plat et genre pop une RDS sans genre checker ce qu'il fait. Bah parce qu'on check justement, en fait on avait énormément de checks. On check a posteriori le résultat et uniquement le résultat. Et en fait on avait du test de sécurité. T'auras perdu du temps. Mais non, justement, le dev on a gagné pour rien. Alors pour le coup nous on a testé les deux. Tu vois genre on est passé de l'un à l'autre, on a vu la différence entre les deux. Et la vélocité, on l'a gagnée quand on a réussi à faire ça. Donc en fait, on a testé les deux. Donc après, je veux bien, mais là, là-dessus, il faut la tester, il faut de la métrique, etc. Et non, on n'était pas dans le YOLO, etc. Et tu vois, ça, c'est vraiment un procès d'intention. C'est de penser que la standardisation amène un contrôle. C'est faux. Dans l'histoire de l'informatique, c'est purement faux. Mais c'est pas ça qu'on dit. On dit pas qu'il faut pas auditer automatiquement et tout ce qu'on fera. Au contraire. Tu vois, d'accord. Et je suis sûr que chez Ponto, vous avez des audits automatiques. Ah bah, oui. Voilà. D'accord. Ce que tu proposes au dev, c'est un module qui est déjà conforme. C'est ça. Tu proposes du gain de temps et qui simplifie je suis d'accord que le DevOps et tout, il faut que le dev, il faut pas séparer, genre le dev touche pas à Terraform et tout, mais en fait c'est pas le métier du dev de savoir pondre du code Terraform, donc en fait ça fait partie aussi de mais c'est un SRE dans les devs, enfin le SRE c'est lui qui sait, c'est le SRE dans telle équipe qui sait qu'il a tel besoin et qui donc va utiliser en copiant collant le code d'un précédent projet. SRE de la boîte. Sur des besoins communs. Et moi, j'ai pas envie d'être ping par un dev à chaque fois qu'il doit faire une action parce que je suis SRE. Il est autonome, mais c'est pour ça qu'on fournit le module. C'est ça, pour ça que je un module. T'as besoin de créer une RDS. Tiens, ton module, en fait, t'as juste à appliquer ce truc-là et on aura. Et appelle pas SRE, quoi. Tu parlais tout à l'heure de la complexité. En fait, si tu ajoutes une fonctionnalité, et que tu apportes un raising chance, quand t'as une fonctionnalité que tu dois implémenter obligatoirement, genre, plusieurs modifs demandés par la CPU, que tu dois implémenter partout. C'est pénible de devoir aller remettre ce code-là partout. Mais ça, je suis d'accord. Mais en fait, le truc du partout, ça n'existe pas en théorie. Puisqu'on a un SRE par feature. Normalement, le gars de la sécu arrive et dit au SRE de chacune des équipes, dans ton équipe, voici les problèmes que j'ai détectés. Tu dois les changer à l'échelle de ton équipe. En fait, le problème, c'est qu'on a la vision de je suis un SRE. En fait, en gros, les SRE, c'est des équipes où ils sont 6. Et en fait, ils gèrent tout en même temps et les 6 pensent avoir l'accès à toute la code base. Bon. Si jamais tu divises tes 6 SRE dans des périmètres petits, instantanément, la charge mentale, elle change beaucoup. Et en fait, faire un changement sur, si jamais t'as 10 équipes avec 10 rôles à changer, bah oui, si jamais t'es dans une équipe globale, tu te dis, merde, tu fais avoir 100 changements à faire, c'est géant, j'aurais pas besoin. Alors si les SRE, ils sont petits, en fait, normalement, le rôle de l'informatique, c'est de découper un problème complexe en problème plus petit qu'on va pouvoir gérer. Ça s'appelle la modularité. Ouais. Mais c'est, et bah, la modularité, elle est au niveau des équipes, enfin, au niveau des équipes, pas au niveau de ta code base, et surtout dans des cas d'interaction. Il y a un truc sur laquelle, que t'as dit, où je suis pas du tout d'accord. Moi, le truc du SRE embarqué dans les teams, je l'ai fait. Ça marche pas. Pourquoi? Parce que la team se dit, ah, c'est cool. J'ai plus à gérer la prod, les devs, hein, je veux dire, c'est le SRE qui va le faire. En fait, le SRE devient la... En fait, on a refait un silo parce que c'est le SRE de la, le SRE de la team qui va faire tout le Terraform, tous les déploiements, machin. Et pour moi, ça, le SRE dans la team de dev, c'est un pattern que j'ai vu à plein d'endroits, ça finit toujours de la même manière, c'est les devs sont pas plus autonomes qu'avant sur la prod parce qu'en fait, il y a un SRE qui fait tout pour eux. Mmh. Et donc, tous les trucs tagués prod, les alertes, le SRE. Le déploiement, le SRE. Et le Terraform, le SRE. Si t'as écouté tout à l'heure Mepi, c'est parce que justement, il n'y a pas eu le dernier changement qui a été fait. Par exemple, le partage de revenus entre les deux. C'est-à-dire que quand il y a un problème de prod et que ça impacte le revenu du dev, t'inquiète pas qu'il s'en occupe, hein. Et j'ai vu des cas où ça marche. Alors, en effet, quand t'as créé une micro-équipe de SRE au sein d'une autre équipe, qu'ils ont pas les mêmes tickets, qu'ils ont pas les mêmes machins, normalement, un SRE dans une équipe, genre, il peut toucher à n'importe quel ticket. Le ticket, il est partagé au sein de toute l'équipe. Il peut aussi bien faire du dev que toucher à de la prod. Et c'est pas juste, ah bah, tiens, ça, on l'envoie à ce gars-là. Parce que Alors, je suis d'accord. Tu peux pas demander. Mais non, si, ça existe, ça existe, ça existe, c'est possible. Ça existe. Et je suis d'accord avec toi que c'est le fonctionnement nominal. Cela dit, imaginons, d'accord, t'as 6 feature teams, tu vois, d'accord. Donc t'as les CQ qui allaient voir les 6 feature teams qui leur a dit, ok, du coup il y a des trucs à corriger au bout de notre infra, d'accord. Les SRE, bah ils se connaissent, d'accord. Ils ont probablement un petit monthly, d'accord, pour parler des nouveautés technologiques, etc. D'accord. Au bout d'un moment, il y en a un, d'accord. Il a une semaine assez chill, d'accord. Il embarque tous les changements, d'accord. Il y a un truc, c'est 80% des changements qu'il doit faire. Les autres équipes ont les mêmes. Il écrit le code qui marche.
il va pas le partager avec les autres assos? Bien sûr que si. Mais le partage, en fait, le partager, ça peut se faire juste par du copier-coller. En fait, en gros, on a un besoin. Mais t'es pas obligé. Bah, tu fais un snippet, tu dis, bon, bah voilà, regardez les gars, moi j'ai fait ce changement là, tu le dis justement dans un success story, c'était ce que je disais, ouais. Regardez, j'ai fait tel changement, j'ai fait comme ça, inspirez-vous ou pas. Parce qu'après, il y a des gars qui diront, bah ouais, moi dans mon cas, en fait, c'est pas possible, ça marche pas. Ah oui, c'est ça. Et donc, c'est cool, ouais, mais donc comme j'ai pas imposé dans le changement d'un module, l'ajout de complexité dans un module qui potentiellement ne sert pas à tout. Mais c'est pas ça dont je te parle. D'accord. Moi, ce que je te dis, c'est, ok, le gars, il a un fichier toto.tf, d'accord, dans lequel il y a tous les changements pour devenir conforme. Tu fous ça dans un dossier, félicitations, c'est un module Terraform. C'est tout. En fait. Mais il y a pas de problème. En fait, tu peux le sortir du module si t'as envie. Mais c'est comme ça que tu. En fait, là, la question, c'était de savoir est-ce que tu vas partager ou pas des choses entre les équipes de manière versionnée, etc., etc. Ça serait extrêmement peu pragmatique de pas le faire. Eh ben moi justement exactement. Parce que tu vas ralentir toute ton organisation, en fait tout le monde va. Ben en fait non justement, en fait on s'aperçoit et via l'agilité, mais en fait c'est assez marrant, j'ai l'impression vraiment de revoir le débat de l'agilité ou pas en se disant ah non mais avoir des petites équipes qui vont pas vite alors qu'on pourrait tout de suite faire bien, ça serait cool quoi en fait. Mais on s'aperçoit que non, dans les faits, dans toutes les organisations qui ont essayé de centraliser, qui ont essayé de rationaliser, qui ont essayé tout ça, c'est des organisations qui sont devenues extrêmement peu efficientes. Je te parle pas de centraliser, je te parle de collaborer. Et surtout tu fais des généralités alors tu dis les organisations qui font ça deviennent ça. C'est-à-dire, globalement, c'est ah bah oui, si, mais non. Ça c'est un. Bah non, c'est non, ça c'est ton interprétation. On est décontracté. Mais non, mais il y a plein. À la preuve, j'ai l'impression que ma boîte tombe plutôt bien. Mais ça tombe plutôt bien. Ça tombe plutôt bien, mais je sais pas si ça pourrait être tourné mieux. Ça, on y travaille, bien sûr, toujours. On a des retours. Les utilisateurs, les devs notamment, nous font des retours en permanence. On bosse qu'avec eux. D'ailleurs, on fait des voice of customer et tout, bah c'est leurs besoins. Et eux sont très très contents d'avoir, quand ils font un nouveau service, comme j'ai dit. Ils appellent des modules Terraform. Ça a été audit par la Sécu. Donc, la Sécu, moi, pareil, je suis pas un expert IAM Amazon. Je sais que dans le module RDS, ils ont fait tout ce qu'il faut pour que ça soit carré niveau IAM, etc. C'est ça. Et moi, je suis utilisateur de ce truc-là, finalement. Et tout le monde est content avec ce système. Il n'y a jamais eu de plainte. Chacun rajoute son expertise. C'est pas un argumentaire, ça. C'est non, genre, mais il n'y a jamais eu de problème. On a jamais eu de time. Les SLO sont toujours bons. Enfin, je sais pas. Mais comment, non, mais on mesure. Non, mais c'est. Non, mais c'est. La vélocité est bonne, hein. Je veux dire, clairement, mais c'est combien de gens t'as mis en face de ça? C'est toujours une question de moyens pour y arriver, pour avoir un truc qui fonctionne. Un module, c'est combien? Non, mais c'est un dossier, pas compliqué si tu sais déjà faire du Terraform. Oui, voilà. Mais du coup, si tu sais pas déjà faire du Terraform, t'es vachement content d'avoir des modules. C'est ça le truc. Parce que t'es pas obligé d'aller lire la spec de l'API du provider pour comprendre ce que tu veux faire. Toi, tu te dis juste, ouais, je veux une DB MySQL. Ouais. Et j'ai super content qu'il y ait un mec qui se dise, t'inquiète, je suis expert en DB. Voici une DB MySQL. Mais c'est pas un problème là-dedans. Enfin, tu peux avoir entre guillemets avoir un exemple de code. Tu vois, genre, mais c'est la différence entre avoir des exemples de code et avoir des librairies. C'est la différence entre un exemple et la prod, surtout. C'est la forme en fin qui te dérange, c'est plus. En fait, il y a pas une doc où on te dit bah là pour faire une DB bah t'as ce bout de code là qui marche, je fais un copier-coller. Voilà. C'est exactement ça. Dans la plupart des organisations, c'est pas comme ça. Dans la plupart des organisations, c'est non, il y a tel module à telle version, vous devez l'utiliser de telle façon. On te dit justement depuis le début qu'on est d'accord que ça c'est pas bien. Non, on te parle de tout le reste. Si tu fais pas ça. Ça marche très bien. Non, je pense pas que tout le monde est d'accord sur ce que tu viens de dire là. Surtout que moi, j'ai jamais il y a plein de boîtes qui essayent de forcer. Le module. Justement, l'infra de 2000 ressources là, elle utilisait plein de modules de merde et qu'on a décidé de tous arrêter de les utiliser. Et du coup, on a écrit nos propres modules qui répondaient à nos propres besoins. D'accord? Et une fois qu'on les avait écrits, une fois qu'on avait une prod qui marchait, une fois qu'on était conforme avec toutes les normes de sécurité, parce qu'il y avait l'audit automatique de l'infra, d'accord? On était conforme avec toutes les normes de la RSSI, et ben, en fait, on a dit, OK, notre affaire, elle marche, et on a trois autres équipes, d'autres entités que j'ai jamais rencontrées, qui sont venues nous voir en disant, ouais, nous aussi, on migre vers la même affaire, avec les mêmes contraintes. Est-ce qu'on peut juste avoir votre code, en fait? Parce que, on gagne du temps. Ah, mais ça, et du coup, mais on ça, leur envoie, mais ça, et ça, c'est... il s'avère qu'ils utilisent nos modules. Voilà, mais en fait, ils utilisent tes modules. Ils utilisent une copie de tes ressources, une copie de ton module. Pour le coup, non. En fait, il y a certaines, alors justement, nous, on a distingué deux types de modules. On a distingué les modules qui sont, génériques du besoin métier. D'accord? Donc, typiquement, tu dis, je veux une RDS, bah, une RDS, c'est un peu pareil pour tout. Et, par contre, du coup, t'as d'autres modules où c'est, par exemple, spécifique à ton projet. Je parlais d'un module, Data Pipelines, par exemple. Ça, c'est spécifique à mon archi. Ce truc-là, il a aucun sens ailleurs. Et du coup, ces modules-là, bah, ils les ont pas réutilisés. Mais les briques en dessous, les plus petites briques, en fait, elles sont parfaitement réutilisables. Et il y a des moments où ils nous ont dit, il y a un nouveau truc de la Sécu qui a été ajouté. À un moment, on a reçu une alerte de la Sécu en disant, ouais, on a rajouté un paramètre au niveau de l'auditabilité, vous avez un warning. D'accord? On a reçu une PR sur notre module d'une autre équipe qui patchait le truc. C'est un paramètre ajouté. Zéro breaking change. Moi, je t'ai refait. D'accord? J'ai gagné une heure de lecture de doc, quoi. Donc moi, je suis plutôt content. Et en plus de ça,
ben derrière ces modules-là, on ne dit pas qu'on fait des gros changements. Et je sais qu'il y a d'autres équipes qui les ont forqués, d'accord, qui disaient ouais, la manière dont vous gérez par exemple les permissions, bah c'est pas vraiment la manière dont nous on gère les permissions, donc on le fait différemment. Pareil pour le réseau d'ailleurs. D'accord, ils ont pas réutilisé nos modules de réseau. Et si tu parles à des gens qui sont capables d'utiliser ton langage, genre qui sont capables d'écrire du Terraform, bah rien ne les empêche de forquer à tout moment. Mais bah ça, ce que tu viens de dire là, c'est exactement ce que je dis depuis le début. Donc c'est la capacité à pouvoir forquer, mais il y a plein de boîtes qui interdisent ça, qui veulent justement standardiser pour là, que tout le monde utilise. Là je t'avoue c'était chez Total, c'est pas exactement la boîte la plus chill, mais il s'avère que je peux te dire qu'il n'y a pas un seul PO qui se rend compte quand t'as forqué un module Terraform. Oui mais c'est, mais ça c'est après un problème, mais tu vois genre en fait le problème là-dedans c'est qu'il y a, il y a une courbe d'apprentissage là-dedans où genre au début les gens ont aucune idée de ce qu'ils font, donc en fait t'as le droit de forquer, puis après il y a 3-4 nazis qui sont arrivés dans la boîte qui disent non c'est moi qui sais et vous allez utiliser ça, et après il y a les gens qui disent ouais on va commencer à avoir un peu plus d'expérience et se dire ouais, j'en ai marre de galérer à faire des trucs qui servent à rien et avoir des modules qui deviennent extrêmement complexes. Et tu vois, genre il y a une espèce de courbe comme ça d'apprentissage qui arrive dans toutes les organisations. Mais le truc qui est ouf, c'est que tu vois, on a le même problème avec les M-chart. Il y a une équipe qui se met à faire une M-chart, sauf qu'en fait, il y a un connard qui veut rajouter une toleration. Hop, ça veut dire qu'il faut faire une paire dans le machin, rajouter le paramètre toleration, etc., ouais, etc. Et en fait, t'as une mode chart qui pensait être jolie. En fait, à la fin, t'as une value.yaml qui est exactement le mapping 1-1 de toutes les fonctionnalités d'un truc normal. Et c'est exact. Et c'est ce que disait Sacha. Ce problème-là avec les M-chart de la communauté qui du coup veulent répondre à littéralement 20 000 use cases, et ben en fait les modules Terraform de la communauté ils ont exactement le même problème. En fait ils cachent aucune complexité par rapport aux ressources qui sont en dessous. Mais ce que la communauté arrive c'est juste, c'est ce que tes modules internes vont arriver si jamais tu les laisses assez longtemps. En fait en gros c'est un incubateur, c'est genre tout ce qui est mauvais à l'échelle communautaire, globalement il y a beaucoup de chances que ce soit c'est mauvais à l'échelle de ta boîte. Justement c'est pas la même échelle. Mais c'est juste une question de temps, mais ça va y arriver vers là. En gros, c'est un système asymptotique qui tend vers ce bordel. Oui, mais au bout de combien de temps? Parce que si ça tend, mais que ça y arrive dans le en attendant, je sais pas si ça t'a beaucoup apporté, quoi. Enfin, vraiment, c'est une question d'expérience qu'on a eu. Maintenant, j'arrive à comprendre. J'arrive pas à comprendre qu'on n'ait pas appris de Puppet, de Chef, de Ansible, etc., etc., et qu'à la fin, à chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie, on recommence le même pattern avec du N, enfin vraiment, c'est un... Parce que tu considères que tout le monde est expert Terraform. Moi, comme je disais, on fournit des modules aussi. C'est comme ça, des personnes qui n'ont pas forcément expertise sur toutes ces briques-là, RDS, machin et tout, ces personnes-là veulent juste, par exemple, une base de données, où elles veulent un rôle, IAM, machin, ou un cluster cube et tout. Et en fait, ça doit être un no-brainer de créer ça. Il y a pas tout le monde n'est pas expert Terraform, mais tout le monde n'est pas expert des cloud providers aussi. Parce qu'en fait, Terraform, c'est juste l'outil qui permet d'écrire une infra. Et justement, l'intérêt aussi des modules, c'est ça, c'est que t'as, comme vous disiez, pas besoin de lire des pages et des pages de doc pour vraiment bien comprendre. Tu encapsules ça. Et c'est beaucoup plus facile après pour les devs. Ça me fait ultra peur si jamais vous avez des gens qui font du cloud et qui comprennent pas ce qu'ils font et juste c'est pas le rôle du dev Terraform. Moi j'ai peur hein. Ce qu'on dit c'est que c'est pas le rôle du dev React de comprendre ton cloud provider. C'est pas le rôle du dev React de toucher Terraform. Mais c'est pas il touche pas à Terraform, il y a un CRE pour lui qui fait ces genres d'opérations là parce que c'est pas rôle. Bah non, justement, tu disais CRE pour moi là. C'est pas ce qu'il fallait. Mais non, je te disais justement que c'est un CRE dans les équipes où ils font ça ensemble et t'as fait un silo. Et le problème c'est ça, c'est que tu viens de créer un silo. Ouais, c'est ça. Non, parce qu'en fait en gros, t'as tout le monde a une compétence mais c'est pas un silo, c'est-à-dire que Terraform c'est pas le but. Terraform, c'est juste un moyen d'arriver à la... Il dit, je veux une base RDS. Franchement, un gars qui me fait un truc à la main, en fait, je m'en fous Terraform. Terraform, c'est pas un moyen. Il peut y avoir de très bonnes infras sans Terraform, juste faites à la main. Parce qu'en fait, à la fin, les outils qui ont été déployés sont bien. En fait, à l'heure actuelle, on a Terraform répondait à des besoins et maintenant c'est devenu le but. En fait, on a fait un changement où Terraform est devenu le but et plus le moyen. Mais tu généralises, là, je veux dire. Mais non, c'est on a fait ça, on a fait ci avec une expérience qu'on a eu peut-être une fois. Mais non, mais c'était la même chose. Moi, j'ai eu des gens qui ont eu des. Oui, une personne. Mais non, mais même. Regarde, j'ai fait de la CI depuis un petit moment maintenant et maintenant on arrive à des gens qui te disent si t'as pas de CI, tu fais pas de sécurité. C'est-à-dire qu'un déploiement d'une autre façon, par exemple en GitOps, c'est considéré comme étant oh là là quoi, t'as pas un Jenkins pour vérifier les validations et c'est lui qui pousse et c'est lui qui est automatisé. Entre deux trucs qui n'ont rien à voir. Ah, mais si, mais après, tu la vois peut-être pas forcément. Ah, moi, non, je la vois. La CI Jenkins versus Terraform, je la vois pas. Mais... Ouais, c'est le menu Terraform, je la vois du tout. Bon, vous aurez. Non, mais vous aurez compris qu'il y a toujours des débats là-dessus. Aussi des questions au cœur, d'ailleurs. Voilà, t'auras plein d'arguments à donner en interne, après vous trouverez des choix. Effectivement, donner cette discussion. Tenez, il y a encore plus de débats que vous pensiez qu'il y avait des débats. Et merci beaucoup d'avoir écouté. On a pu un peu revenir sur tout ce qu'on a dit, tous les talks qui ont été faits dans la journée. En tout cas, merci au SRE Summer Camp.
Merci pour l'organisation. Cet après-midi, on va faire de la rando et des jeux de société. Donc, ouais. Voilà, pour dire les activités. Après ça, voilà, après l'effort, le réconfort. Et voilà. Et bien, bah, merci d'avoir écouté. Merci à tous d'avoir participé. Et faites des modules. Et de la procéder.